Nous avons ainsi une opposition nette entre deux personnages, le bon est beau et le méchant est laid. Une première réponse que l'on pourrait apporter serait qu'il s'agit dans le cadre d'un film d'animation d'un moyen commode pour faire comprendre aux enfants le déroulé de l'histoire. Pour autant, cette réponse n'est pas encore pleinement satisfaisante, dans la mesure où une telle association n'est pas seulement limitée aux seules œuvres destinées aux enfants. En effet, on retrouve par exemple l'association entre laideur et méchanceté chez Shakespeare dans la pièce Richard III, et si l'on remonte encore plus loin, tous ces exemples correspondent à ce que les Grecs appelaient le kalos kagathos, l'idéal de l'homme à la fois beau et bon. Il nous faudra alors nous demander quelle est la conception légitime de la beauté qui est sous-jacente à ces exemples, et plus particulièrement, cette conception est justement légitime.